Cet atelier vise le partage d'expériences de ceux qui ont déjà fait le pas et qui ont créé leur start-up et que vous avez vu dans la salle et qui certainement ne manqueront pas de partager avec nous leur expérience, leur, comment dirais-je, leur succès, mais certainement aussi les contraintes. La Direction générale de la recherche et de l'innovation, par mon voix, remercie donc M. le ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche et de l'innovation, représenté ici par son secrétaire général, pour la confiance et l'honneur qui nous est fait de l'accompagner dans la mise en œuvre de cette mission importante de développement de politique et de prise en charge des politiques de recherche et d'innovation au Sénégal. Donc, il est donc heureux de constater que c'est au moment où la réforme d'enseignement supérieur, de la recherche et d'innovation est en train de se dérouler, laquelle réforme est fondée sur les concertations nationales sur l'avenir de l'enseignement supérieur et les décisions et directives présidentielles. Donc, de constater qu'avec la prise en charge et la mise en œuvre de cette réforme qui est exécutée aujourd'hui à plus de 70%, nous organisons cet atelier pour donc prendre l'opportunité de l'exécution de ces réformes dans l'ensemble des universités présentes sur le territoire national, l'ensemble des écoles de formation, qu'elles soient publiques ou privées, pour impulser le développement de l'innovation et certains diraient pour mettre en place un véritable écosystème qui permette donc le développement de l'innovation qui devrait aboutir à la création d'entreprises certes innovantes, entreprises tournées vers donc des secteurs productifs, mais des secteurs prioritaires pour le développement de notre pays. C'est pour cela que, en gros, ces missions et les actions que nous menons s'articulent autour de 4 points, dont le premier, c'est la gouvernance et l'administration de la recherche. Et depuis la création de la Direction générale de la recherche, un travail important est mené et qui aboutit aujourd'hui à quasiment la finalisation d'un certain nombre de textes, dont un texte qui vise la gouvernance de la recherche au sein des espaces universitaires, mais pas que les espaces universitaires, donc par la mise en place de structures de recherche appelées laboratoires mixtes de recherche, donc qui sont des structures mutualisées, mixtes à la fois du point de vue thématique, mais aussi mixtes du point de vue institutionnel. Nous pouvons aussi vous donner comme exemple un texte sur le Conseil national de l'enseignement supérieur de la recherche, d'innovation, des sciences et technologies, qui est aussi en cours de réalisation et qui devrait permettre aussi à notre pays de disposer d'un cadre d'orientation stratégique de sa recherche et de l'innovation. Un deuxième point, je peux citer aussi le développement de l'innovation. Un certain nombre d'actions sont menées au sein de la Direction générale, mais au-delà, dans l'ensemble du système d'enseignement supérieur. Je peux citer la construction de la Cité du Savoir, avec la mise en place d'un institut des sciences et techniques avancées qui abritera le Centre national de calcul scientifique, mais surtout, mais en même temps, disons, mettra et travaille à mettre en place un certain nombre de masters et de licences dans des domaines de pointe, comme on dit, dans des domaines émergents, dont la robotique, l'intelligence artificielle, la génétique moléculaire, la simulation et la modélisation numérique, les nanosciences et les nanotechnologies, etc., etc. Je peux citer un troisième point, c'est la promotion de la culture scientifique, avec le développement en cours d'une stratégie nationale de promotion de la culture scientifique. Et pour ceux qui ne sont pas au courant, une action a déjà commencé, appelée « Mercredi de la science », dont l'objectif est de mener une action d'envergure et surtout l'ensemble du territoire national, bien entendu les mercredis, avec les acteurs du système éducatif, en particulier les plus jeunes, donc depuis la maternelle au lycée, en vue, donc tous les mercredis, enfin, en tout cas certains mercredis en rapport avec les différents acteurs, faire de l'animation scientifique. Au point de vue national, c'est de faire de telle sorte que la culture scientifique soit la chose la mieux partagée par toutes les différentes franges de la population, toutes les couches de la population, mais en particulier faire de telle sorte qu'on puisse donner aux plus jeunes cet amour de la science et donc susciter des vocations. Le quatrième point, c'est le financement de la recherche et de l'innovation.
et qui se traduira très rapidement par la mise en place du Fonds national de la recherche et d'innovation, mais qui aujourd'hui permet aussi au Sénégal de participer dans des actions de collaboration partagées au niveau international, mais aussi sous-régional, mais en bilatéral, et qui aboutissent aujourd'hui à la mise en place du LibAgri, aussi des accords de coopération entre le Sénégal et l'Afrique du Sud en matière de recherche et d'innovation, mais on peut citer également des actions d'envergure internationale comme dans le cadre du SGCI, donc Science Granting Council Initiative, etc. etc. Après cet énoncé d'actions en cours, il est aisé de comprendre que ce qui est attendu de nous dans ce cadre de cet atelier, c'est de faire de telle sorte que nos universités contribuent et puissent contribuer encore davantage à l'émergence de notre pays en mettant en place donc des actions de recherche orientées prioritairement vers les besoins de notre développement, mais lesquelles actions de recherche devraient aboutir aussi à des actions d'innovation. Donc, quelles actions d'innovation, pour nous, devraient nécessairement se traduire également par la création, autant que possible, d'entreprises innovantes, de certains diront des start-up. Mais tout cela, vous le comprendrez, c'est certainement pour faire de telle sorte que notre pays puisse très rapidement accélérer son objectif d'émergence, mais aussi pour faire de telle sorte que les jeunes diplômés, les diplômés de nos universités en particulier, de nos écoles de formation, puissent créer leur entreprise. Il est heureux de constater que certains d'entre eux se trouvent autour dans cette pièce, mais aussi offrir de l'emploi à ceux qui en ont besoin et aussi donc être eux-mêmes des acteurs du développement.